Salut à tous Aujourd'hui, on va parler d'un mot à la mode. Il s'agit d'Omicron. C'est un virus que j'ai attrapé il y a 30 ans. Mais rassurez-vous, cet Omicron n'est pas dangereux. Il s'agit tout simplement du basique qui était fourni avec l'Atari ST au début des années 90. Et comme j'ai acheté mon STE très tard, en 1992, eh bien j'ai eu ce basique qui était fourni avec lui. Et en fait, j'ai adoré ce langage. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai eu envie d'en parler avec vous. Mais d'abord, un peu de vocabulaire. Grâce à Goldorak, nous connaissons tous le début de l'alphabet grec. Alpha, bêta, gamma, etc. Et bien la quinzième lettre de l'alphabet grec, c'est justement Omicron. Cette lettre s'écrit avec un C en français et en anglais, et avec un K en allemand. Et j'ai vérifié, on doit en effet prononcer Omicron, comme la lettre Epsilon. Alors j'ai été très étonné parce que toute ma vie, j'ai prononcé euh, Omicron en français, parce que c'est plus naturel. Mais bon, comme manifestement j'étais dans l'erreur, j'ai décidé de changer mes habitudes, et toujours prononcer Omicron. Mais je vous garantis pas que je me tromperai pas encore de temps en temps. Ceci étant dit, revenons à l'Omicron basique. C'était vraiment un très bon langage, et pour ma part, je l'ai beaucoup utilisé entre 1992 et 1993. Et c'est avec lui que j'ai découvert la programmation sur Atari ST. Pour tout vous dire, j'ai souvent l'impression d'être le seul à avoir utilisé l'Omicron. Parce que la plupart des autres ataristes préfèrent le GFA Basic. Alors si comme moi vous aimez l'Omicron, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça je me sentirai moins seul. Parmi les qualités de l'Omicron, on peut citer son super éditeur en pleine page qui permet d'éditer les programmes confortablement, la disparition des numéros de ligne, bien qu'on puisse toujours les utiliser si on veut, la programmation structurée avec le mot-clé endif, les boucles while et repeat et surtout les procédures et les fonctions. Et aussi de nombreuses instructions qui permettent d'exploiter les spécificités de l'atari ST. On va détailler tout ça dans quelques instants. Puis, si ça vous intéresse, je vous montrerai quelques programmes que j'avais fait à l'époque en fin de vidéo. Il faut savoir qu'à l'origine, en 1985, la ST était livrée avec le ST Basic. Et tout le monde s'accorde à dire que ce ST Basic, eh bien, c'était pas terrible. Puis, à partir de 1986, deux nouveaux basiques très similaires sont apparus en Allemagne le GFA Basic et l'Omicron Basic. Alors disons-le tout de suite, le GFA Basique a eu un énorme succès qui a éclipsé toute la concurrence. A l'époque, on trouvait énormément de programmes d'exemple en GFA dans les livres et les magazines. Quant à l'Omicron, eh bien rien du tout. C'est très dommage car l'Omicron avait au moins autant de qualité que le GFA. Puis en 1989, les premiers STE sont apparus, toujours livrés avec le ST Basique. Et rapidement, à partir de 1990 à peu près, les STE ont été fournis avec l'Omicron Basique. Mais c'était trop tard, comme le GFA Basic était tellement populaire, l'Omicron n'a jamais percé dans le grand public. J'en profite pour citer également le STOS Basic, sorti en 1988. Le STOS était spécialisé dans la programmation de jeux et a rencontré beaucoup de succès. Mais arrêtons-la avec les concurrents et revenons à l'Omicron Basic. À partir des années 90, le STE était fourni avec 7 disquettes, intitulées STE Language Disc. Il s'agissait en fait de l'Omicron Basic 301. On y trouvait aussi quelques programmes d'exemple et l'accessoire panneau de contrôle. Cette disquette était accompagnée d'un très bon manuel de plus de 250 pages en français. Ce manuel, c'était ma première documentation sur Atari. Alors vous pouvez croire que je l'ai lu et relu. Pour information, ce manuel a été scanné par l'excellente équipe d'Abandonware France. On peut le retrouver sur leur site sous forme de PDF. Je vous mets le lien dans la description. Donc grâce à eux, on peut consulter ce manuel sur un ordinateur moderne, c'est bien pratique. Je reviendrai longuement sur ce manuel pendant la vidéo. Et pour les démonstrations, je vais utiliser l'émulateur Steam SSE. Alors sans plus attendre, revenons à cette disquette fournie avec l'Atari STE. J'agrandis la fenêtre. Et si vous avez l'œil acéré, vous aurez peut-être remarqué que l'affichage est un peu plus lent que d'habitude. L'explication c'est que sur cette disquette, le blitter est désactivé. C'est un peu la honte parce que justement le blitter ça fait partie des nouveautés du STE. Alors j'active tout simplement le blitter et on continue. On remarquera que sur cette disquette, il y a un seul programme, intitulé OMBASIC.PRG. Alors non, il ne s'agit pas de l'Olympique de Marseille. C'est tout simplement l'interpréteur de l'Omicron Basique, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors je double-clique et c'est parti. Au fait, vous avez peut-être remarqué que le vert du bureau est plus sombre que d'habitude. C'est parce que l'accessoire control.cc, le panneau de contrôle, est installé sur la disquette. C'est lui qui modifie légèrement les couleurs par défaut. Et nous voilà dans l'Omicron. Plus précisément, nous sommes dans l'éditeur standard. Tout à l'heure, je vous ai montré brièvement le super éditeur qui fait la force de l'Omicron. Mais dans un premier temps, nous allons rester dans cet éditeur standard. C'est la même interface que celle des basiques classiques qu'on trouvait sur les ordinateurs 8 bits, comme le Commodore 64 ou les Thompson. Après l'affichage de la bannière, on est accueilli par l'invite « OK ». On peut taper des commandes, par exemple « print bonjour » et les exécuter immédiatement avec la touche entrée. Voilà Au fait, vous remarquerez que je n'ai pas pris la peine de taper le guillemet fermant. Et pourtant, ça a quand même marché. C'est parce que le basique ferme automatiquement les chaînes de caractères. Ça marche avec tous les basiques, pas seulement avec l'omicron. Et à ma connaissance, c'est le seul langage qui permet ça. Et regardez, voilà une autre particularité de l'éditeur standard. Je peux remonter sur la ligne print avec les flèches, aller jusqu'à la fin, voilà, comme ça, fermer les guillemets et afficher derrière la variable spéciale timer. J'appuie sur entrée et ça exécute la ligne que je viens de modifier. Je peux à nouveau remonter et appuyer sur entrée pour exécuter l'instruction une nouvelle fois. Vous voyez, la valeur de timer change à chaque fois. Donc ce mode interactif est très pratique pour apprendre à utiliser les instructions. Ensuite, pour écrire un programme complet, il faut utiliser les numéros de lignes. Généralement, on les numérote de 10 en 10 pour pouvoir facilement insérer des lignes entre les lignes existantes. Par exemple, 10 input, guillemets, quel est ton nom, espace, guillemets, point virgule, nom, dollar. 20, print, Bonjour, espace, guillemets, point-virgule, nom, dollar. L'instruction input affiche le message et attend une réponse au clavier. Puis elle stocke la réponse dans la variable spécifiée. Ensuite, l'instruction print affiche un autre message et le contenu de la variable. Notez que ma variable s'appelle nom-dollar. Ce suffixe dollar permet d'indiquer que la variable est de type chaîne de caractère. Notez aussi le point-virgule que j'ai utilisé sur les deux lignes. C'est une syntaxe spécifique aux instructions print et input pour éviter les retours à la ligne. Maintenant, pour exécuter le programme, j'utilise l'instruction run. Entrée. Quel est ton nom Vincent. Entrée. Bonjour Vincent. Voilà, ça marche. Tant qu'on y est, j'en profite pour vous montrer une instruction bien pratique. Dump. Elle permet d'afficher toutes les variables et leur contenu. C'est bien pratique pour débugger. Et à tout moment, je peux effacer l'écran avec l'instruction CLS, qui signifie clear screen. CLS, entrée. Et je peux utiliser list pour afficher le programme. En fait, ce qu'on vient de taper, c'est un programme basique tout à fait classique. Il peut fonctionner tel quel avec n'importe quel basique sur n'importe quelle machine. Mais l'omicron peut faire beaucoup plus. Allons voir le manuel, page 5. On nous parle de compatibilité avec le M-Basic. Mais de quoi s'agit-il car il n'existe aucun M BASIC sur Atari ST. En fait, il s'agit du Microsoft BASIC. De nos jours, la société Microsoft est bien connue pour son système d'exploitation Windows qui équipe les PC, et aussi pour son système MS-DOS dans les années 80. Mais il faut savoir qu'avant cela, l'activité principale de Microsoft c'était le BASIC. Le BASIC est un très vieux langage. Il a été conçu en 1964 dans une université américaine pour permettre aux étudiants de programmer facilement les ordinateurs de l'époque. Puis en 1975, la société Microsoft a été fondée pour commercialiser son produit phare, le Microsoft Basic. Ce Basic a été un énorme succès. Au fil des années, il a été porté ou adapté sur la plupart des ordinateurs 8 bits, comme par exemple l'Apple II, les Thomson, les Commodore, les Oric et même les Atari 400 et 800. En 1981, le tout premier IBM PC inclut en ROM une variante du Microsoft Basic. Et finalement, en 1983, Microsoft sort le GW Basic. C'est une variante de son Microsoft Basic qui fonctionne sur tous les compatibles PC, pas seulement les IBM. GW Basic a été extrêmement populaire sur PC dans les années 80. En revanche, le Microsoft Basic n'a jamais été adapté sur l'Atari ST. Ici, vous pouvez voir GW Basic qui tourne sur PC avec l'émulateur DOSBox. J'ai retapé mon programme Omicron, ça fonctionne exactement pareil. Ou presque. Et c'est ça l'une des premières qualités de l'Omicron Basic sa compatibilité avec le Microsoft Basic. Ça signifie qu'en théorie, si on prend un programme GW Basic ou Microsoft Basic, qui a été écrit sur une autre machine, on devrait pouvoir le faire fonctionner sans trop de difficultés sur Atari ST avec l'Omicron. Du moins, en théorie. Mais revenons à l'Omicron et passons aux choses sérieuses. Pour entrer dans le super éditeur, j'appuie sur la touche Help. Voilà, je me retrouve en moyenne résolution, dans un éditeur pleine page. Si vous connaissez bien l'Atari ST, vous remarquerez que ce super éditeur utilise une police de caractères légèrement différente de celle du TOS. Ici, on peut utiliser la souris pour déplacer le curseur ou sélectionner des blocs. Notez que le super éditeur n'utilise pas le GEM. Au lieu de ça, il utilise son propre système pour gérer la zone de texte et les menus déroulants. Alors c'est sûr, ça ne correspond pas au standard Atari. Mais le gros avantage, c'est que ce super éditeur est super rapide et c'est très appréciable pour une utilisation quotidienne. La première chose qu'on peut faire avec ce super éditeur, c'est d'aller dans le menu Mode et décocher Line Numbers. Hop Et voilà C'est pas plus compliqué que ça. Les numéros de ligne ont disparu. Pour exécuter le programme, je vais dans le menu Run. Un clic sur l'entête du menu déroulant déclenche la même action qu'un clic sur le premier élément en haut du menu. Ou alors, j'utilise le raccourci clavier CTRL R. C'est ce que je ferai à l'avenir. Alors, je clique. Quel est ton nom euh, Atari, entrée, bonjour Atari, voilà, help, et je me retrouve dans le super éditeur. J'en profite pour sauvegarder mon programme avec File, Save. Vous voyez, je me retrouve dans le sélecteur de fichiers du GEM, c'est bien pratique. J'appuie sur Escape pour effacer le nom proposé, et je tape par exemple Test. Ce n'est pas la peine d'ajouter l'extension .bass, car l'Omicron la rajoutera automatiquement. Je valide avec OK. Regardez en bas, l'Omicron me demande de confirmer. J'appuie sur Entrée. Il accède à la disquette. Et voilà, mon programme est sauvegardé. Bien sûr, n'écrivez jamais sur votre disquette originale pour la conserver intacte. Travaillez plutôt sur une copie. Ou tout simplement, une disquette vierge avec juste le programme ombasic.prg. Ça suffit. Et maintenant, vous allez me dire... Ok, c'est bien beau de ne plus avoir de numéros de ligne, mais comment fait-on pour utiliser Goto et GoSub Eh bien, on ne les utilise pas. C'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Vous allez voir dans un instant. Mais si on a vraiment besoin d'utiliser des goto, on peut utiliser des labels au lieu des numéros de ligne, un peu comme un assembleur. Pour définir un label en Omicron, il suffit de commencer une ligne par un tiré et d'ajouter le nom du label. Par exemple, je vais à la fin du programme et j'ajoute fin. Je descends. J'ajoute ensuite une instruction, par exemple print au revoir. Je descends. Vous voyez, dès que je change de ligne, le super éditeur vérifie la syntaxe et ferme les guillemets si besoin. C'est pratique. Je remonte en haut du programme et après print bonjour, j'ajoute go to fin. Puis pour l'exemple, j'ajoute une instruction quelconque, par exemple euh, print gfa vaincra. Voilà. J'exécute avec CTRL R. Quel est ton nom euh... Jack Bonjour Jack, au revoir. On voit que l'instruction goto a bien fonctionné. Le programme affiche simplement au revoir, et l'instruction qui était juste après le goto n'a pas été exécutée. Help. Mais maintenant, vous allez me dire. Ok, les labels c'est bien beau, mais c'est pas beaucoup mieux que les numéros de ligne. Et c'est tout à fait vrai. Car en fait, le mieux, c'est d'utiliser la programmation structurée avec de vraies boucles. Démonstration. Pour écrire un nouveau programme, je fais File New. Je confirme avec Entrée. Et d'abord, un petit rappel. On va écrire une boucle FOR. Ce type de boucle est disponible dans tous les basiques. Par exemple, FOR i égale 1 to 10 print i next i donc je définis une variable i qui va commencer à 1 et s'incrémenter jusqu'à 10 et dans le corps de la boucle j'affiche la valeur de la variable i pour tester j'exécute avec contrôler r voilà vous voyez les nombres s'affichent ça marche j'appuie sur help pour revenir dans le super éditeur et regardez bien je peux améliorer ce programme de deux manières d'abord je remonte dans la boucle et j'ajoute deux espaces devant l'instruction print. C'est ce qu'on appelle l'indentation. C'est une technique très simple qui permet de visualiser immédiatement le corps des boucles, en décalant leur contenu légèrement sur la droite. Ainsi, on voit immédiatement où les boucles commencent et où elles finissent. À l'époque des premiers basiques, les programmes étaient rarement indentés, et ça les rendait illisibles. Alors qu'avec les basiques modernes, comme l'Omicron, il n'y a aucune raison de se priver. Alors suivez bien ce conseil, Indentez systématiquement toutes vos boucles et tous vos ifs. Deuxième amélioration, j'ai terminé la boucle avec next i. En Omicron, tout comme en Microsoft Basic d'ailleurs, on n'a pas besoin de respecifier la variable après next. Donc je descends et j'efface tout simplement i. Pour de petites boucles comme celle-ci, ça reste tout à fait lisible et l'écriture est plus concise. Maintenant, vous allez me dire, ok c'est bien beau, mais la boucle fort, ça existe depuis toujours. Très bien. Alors je fais à nouveau File New pour écrire un nouveau programme. Regardez bien. i égale 10, while i supérieur à 0, print i ou end. J'exécute avec CTRL-R. Oulala, là là, j'ai oublié de décrémenter i. Du coup, ça fait une boucle infinie. Alors, pas de problème, j'arrête avec CTRL-C. Et voilà, j'ai forcé le programme à s'arrêter. C'est ce qu'on appelle un break. Attention, ne confondez pas deux choses, parce que le raccourci CTRL-C a deux significations. De nos jours, dans les programmes graphiques, le raccourci CTRL-C signifie copier, pour pouvoir ensuite coller. Ce raccourci n'est pas utilisé par l'Omicron. Mais dans les programmes console, comme l'Omicron, le raccourci CTRL-C déclenche un break. Ce qui signifie l'arrêt du programme en cours. Et c'est bien pratique. Je ferme cette parenthèse et j'appuie sur Help pour revenir au super éditeur. Et oui, on voit que j'ai oublié de décrémenter i. Alors juste après print i, je vais à la ligne et j'ajoute i égale i moins 1. J'exécute. Et voilà, ça marche. Ce programme affiche les nombres à l'envers à partir de 10. Je reviens dans le programme. Cette fois-ci, j'ai utilisé une boucle while, c'est-à-dire en français une boucle tant que. J'initialise i à 10 et tant que i est supérieur à 0, j'exécute le corps de la boucle. En l'occurrence, j'affiche i et je décrémente, c'est-à-dire je lui enlève 1. Et enfin, je termine la boucle avec end, ce qui signifie while end. Vous voyez, grâce à cette boucle while, pas besoin de goto. Notez que la boucle while existait déjà en Microsoft Basic. Et bien entendu, elle fonctionne aussi en omicron. Sachez que l'omicron supporte aussi un autre type de boucle, la boucle Repeat Until. Regardez bien. Je remplace while i supérieur à 0 par Repeat. Je descends et je remplace when par until i égale 0. J'exécute. Ça fait la même chose. Je reviens dans l'éditeur. En fait, les boucles while et repeat sont presque identiques, à deux différences près. La première différence, c'est qu'avec la boucle while, la condition est testée avant l'exécution du corps. Alors qu'avec la boucle repeat, la condition est testée après. Donc avec une boucle repeat, le corps de la boucle s'exécute toujours au moins une fois. Alors qu'avec la boucle while, si la condition est fausse dès le début, le corps de la boucle n'est jamais exécuté. La deuxième différence, c'est qu'avec la boucle while, on indique la condition qui permet de continuer à boucler, alors qu'avec la boucle repeat, on indique la condition d'arrêt. Notez que la boucle repeat until est une nouveauté de l'omicron cette boucle n'existe pas en Microsoft Basic. Maintenant, parlons des conditions. Avec l'instruction if, file, new, entrée, on va faire un nouveau programme. Par exemple, ceci ph égale 5, if pH est inférieur à 7, zen print acide, else print basique. Vous avez compris, ce programme très simple affiche acide si le pH est inférieur à 7, sinon il affiche basique. J'exécute, et sans surprise, le programme affiche acide. Revenons au programme. Vous voyez, j'ai tout mis sur la même ligne. If et la condition. Zen est l'instruction à exécuter si la condition est vraie, puis else est l'instruction à exécuter si la condition est fausse. Avec des instructions courtes, comme ici, ça passe encore. Mais avec des instructions plus longues, ça devient vite illisible. Alors, regardez bien. Je me place après le mot-clé Zen, et je fais CTRL-entrée pour couper la ligne. J'en profite pour indenter avec deux espaces, puis je me place avant else. Je fais de même, mais cette fois-ci, je désindente. Je vais après else, idem, j'indente, puis je vais tout à la fin, et j'ajoute un nouveau mot-clé, endif, ce qui signifie « fancy ». Vous allez me dire « mais ça revient au même !» Oui, mais la différence, c'est que maintenant, on peut facilement ajouter plusieurs instructions dans chaque bloc, et le code reste lisible. Par exemple, je reviens ici, et j'ajoute « print sur deux lignes ». Contrôle r Voilà. Ce mot-clé indiff est une nouveauté de l'Omicron. Donc petit à petit, on voit que la syntaxe se rapproche de plus en plus des langages structurés comme Pascal ou C, ce qui permet au programme basique de devenir de plus en plus lisible. Enfin, dernier point essentiel, les sous-programmes. En basique classique, on devait se contenter de l'instruction GoSub pour exécuter un bloc de code et revenir à l'appelant. Laissons ça de côté et entrons tout de suite dans la modernité. Un Omicron basique, tout comme un Microsoft basique, on peut définir des fonctions utilisateurs sur une ligne. Par exemple, def fn carré x égale x fois x. Print fn carré 3. J'exécute. Et voilà, 9, ça marche. Attention au piège, il faut utiliser le mot-clé fn à la fois pour la définition et l'utilisation de la fonction. Car si on oublie fn lors de l'appel, l'interpréteur va considérer que carré est un tableau, pas une fonction. Et comme en basique les variables sont créées lors de la première utilisation, même en lecture, ça va afficher 0. Ne vous faites pas avoir. Pour info, la définition de la fonction peut être située avant ou après l'appel, ça n'a pas d'importance. Par exemple, je sélectionne la définition, je place le curseur en bas, et je fais Block Move. Et voilà, la définition est passée en bas. J'exécute, ça marche exactement pareil. Maintenant, je vais après Print et j'ajoute le mot-clé End. J'exécute, ça marche aussi. Pour mémoire, le mot-clé End arrête l'exécution du programme et ignore tout ce qui se trouve après. Mais une définition de fonction après le mot-clé End est quand même prise en compte. On vient de voir une définition de fonction sur une ligne. Mais l'omicron basique permet de faire beaucoup mieux. Il permet de définir des fonctions sur plusieurs lignes grâce à l'instruction return. Par exemple, je viens ici, et après def fn carré x, je vais à la ligne, et je mets le mot-clé return x fois x. Voilà, j'exécute, et ça marche toujours. Vous allez me dire que dans ce cas, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai. Mais le gros intérêt de cette syntaxe, c'est qu'on peut ajouter du code sur plusieurs lignes dans le corps de la fonction, et même définir des variables locales, ajouter des boucles, etc. Par exemple, dfn carré x, je vais à la ligne, local tmp égale x, tmp égale tmp fois tmp, et enfin, return tmp. Voilà j'exécute et ça me donne toujours le même résultat. Dans le cas présent, ça ne nous avance pas grand-chose, mais vous avez compris le principe. Avec cette syntaxe, on peut définir des fonctions très complexes. Et de manière similaire, l'Omicron permet de définir des procédures, contrairement au Microsoft Basic qui ne les supporte pas. Une procédure, c'est quasiment comme une fonction, mis à part le fait qu'elle ne renvoie pas de valeur. Allez hop, file new. Entrée. La syntaxe est presque la même que pour définir une fonction. def proc saluer non print bonjour non return. Cette procédure prend en paramètre le nom d'une personne et lui dit bonjour. Attention, la définition des procédures doit obligatoirement apparaître après end. Alors que pour les fonctions, ce n'était pas obligatoire. D'une manière générale, par souci de clarté, je vous conseille de placer également toutes vos fonctions après end. Alors j'ajoute end au-dessus. Hop, voilà. Et encore au-dessus, j'appelle cette procédure avec un argument. Par exemple, saluer Vincent, saluer Jack. J'exécute. Bonjour Vincent, bonjour Jack, ça marche. Bien sûr, cet exemple est simpliste, mais les procédures peuvent être très longues et compliquées. Utiliser des variables locales, des boucles, appeler d'autres procédures, des fonctions, etc. Donc pour résumer, l'omicron basique comporte de nombreuses évolutions par rapport au basique classique. La disparition des numéros de ligne, le mot-clé endif pour écrire les ifs sur plusieurs lignes, les boucles while et repeat, en plus des boucles for et les procédures et fonctions. Toutes ces nouveautés permettent aux basiques d'évoluer vers la programmation structurée, comme on la connaît avec les langages tels que Pascal et C. Les anciens programmes étaient pleins de variables globales, de goto et de gosub, ce qui les rendait difficiles à suivre. Alors que ces nouveaux programmes sont lisibles, facilement compréhensibles et facilement modifiables. Fini la programmation spaghetti Au fait, à propos de lisibilité, j'ai oublié de vous parler des commentaires. Comme avec tous les basiques, on peut introduire une ligne de commentaire avec le mot-clé REM, comme Remarque. Par exemple, je peux documenter ma procédure. Je descends ici, j'ajoute une ligne et je tape REM, saluer un utilisateur. Voilà Les commentaires sont très importants car ils permettent au programmeur d'expliciter son intention lorsque le code n'est pas forcément évident. Quand on lit le code d'un autre programmeur, ou tout simplement quand on revient sur son propre code après quelques temps, les commentaires permettent de comprendre les programmes beaucoup plus facilement. Sur les très vieilles machines, les commentaires étaient parfois déconseillés, car ils consomment un peu de mémoire. Mais avec la ST, aucun souci. On a plein de mémoire, alors on peut mettre autant de commentaires que l'on souhaite. On peut également remplacer le mot-clé rem par une simple apostrophe. Par exemple, je viens ici, j'efface rem, et je mets une apostrophe. Voilà! Et en général, c'est ce que je vous conseille de faire. On peut aussi placer un commentaire commençant par une apostrophe à la fin d'une ligne de code. Par exemple, je vais ici et j'ajoute euh, le boss. Je descends et on voit que l'Omicron enlève systématiquement tous les espaces avant l'apostrophe. Je trouve que c'est dommage parce que comme ça, ce n'est pas très lisible. Tant qu'on est dans le super éditeur, on peut aller jeter un coup d'œil à ses menus pour se faire une idée de ses fonctions. Avec le menu File, on peut bien sûr sauvegarder un programme et en charger un autre. Notez que par défaut, les programmes sont sauvegardés dans des fichiers binaires qui portent l'extension .bas. Ces fichiers sont spécifiques à l'Omicron, on ne peut pas les ouvrir avec d'autres programmes ou d'autres basiques. En revanche, on peut sauver des portions de programmes en ASCII avec SaveBlock. Ça permet de créer des bouts de code qu'on peut réutiliser dans d'autres programmes. Notez au passage que c'est le raccourci Ctrl-C, encore lui, qui permet de quitter le super éditeur pour venir à l'éditeur standard. Dans le menu Find, on trouve tout ce qu'il faut pour faire du rechercher remplacé. Et notez qu'il y a même une fonction Token qui permet de renommer une variable partout d'un seul coup. Et oui, le super éditeur avait déjà des fonctions de refactoring. Le menu Bloc permet de manipuler des blocs de texte. D'abord, il faut marquer le début du bloc et sa fin. Et ensuite, on peut déplacer ce bloc ou alors tout simplement le supprimer. En fait, c'est l'ancêtre du copier-coller. Dans le menu Mode, on peut désactiver les numéros de ligne comme je vous ai déjà montré. Notez qu'on peut sauvegarder ce paramètre avec Save Settings. Il y a aussi une fonctionnalité intéressante. Il s'agit de Split Screen. On se retrouve avec un écran divisé en deux fenêtres indépendantes. On peut ainsi visualiser et éditer deux portions de notre programme en même temps. C'est parfois très pratique. Et comme d'habitude avec l'Omicron, ça reste ultra rapide. Avec le menu Go, on peut définir des marques et se déplacer vers des marques existantes. C'est pratique pour s'y retrouver quand le programme devient très long. Et avec le menu Run, on peut exécuter le programme. Notez qu'en théorie, on peut aussi compiler le programme pour le convertir en point .pRG qu'on pourra exécuter sans l'interpréteur basique. Et en plus, le programme sera beaucoup plus rapide. Mais pour cela, il faut acheter le compilateur qui est payant et qui n'est pas fourni en standard. A partir d'ici, on peut aussi accéder aux accessoires GEM avec Accessory. On obtient une barre de menu classique dans laquelle on retrouve les accessoires, comme par exemple le panneau de contrôle. Et pour sortir, il suffit de faire Desk Kit Accessory. Avec le menu Run, on peut aussi lancer un autre programme. Quand il se terminera, on retournera automatiquement dans l'Omicron. Bref, comme vous avez pu le voir, ce super éditeur regorge de fonctions plus pratiques les unes que les autres. Concernant le langage lui-même, je voudrais vous parler d'un point très important, les types de variables. Pour ça, je retourne dans l'éditeur standard avec CTRL-C. Je tape l'instruction, A égale 7 divisé par 2. Entrée. Très bien, et maintenant je l'affiche. Print A. Ça fait 4. Donc pour l'omicron, 7 divisé par 2 égale 4. Ça peut surprendre. D'ailleurs, si je fais la même chose sur PC avec le GW basique, j'obtiens 3,5, ce qui est la valeur qu'on espérait. Alors que se passe-t-il en Omicron Eh bien, plusieurs choses entrent en jeu. D'abord, la division s'effectue normalement. Pour s'en persuader, je peux écrire tout simplement print 7 divisé par 2. Et j'obtiens 3,5 comme prévu. Alors voici l'explication. La première particularité de l'omicron, c'est que par défaut, les variables sont de type entier. Alors qu'avec le Microsoft Basic, les variables sont de type flottant, c'est-à-dire des nombres à virgule. Donc quand j'essaye de stocker 3,5 dans une variable de type entier, ce nombre à virgule est converti en nombre entier. Et deuxième particularité du Basic, quand on convertit des nombres flottants en entier, ils sont arrondis à l'entier le plus proche. Dans le cas d'un nombre, 5, on est pile entre deux entiers. Et dans ce cas, le basique choisit d'arrondir à l'entier supérieur. Attention, ça peut surprendre, parce que dans d'autres langages, comme le langage C par exemple, les flottants sont toujours convertis vers l'entier inférieur. Quand on jongle avec plusieurs langages, ça peut porter à confusion. Donc ici, 7 divisé par 2 égale 3,5, comme prévu. Puis ce 3,5 est converti vers l'entier supérieur, c'est-à-dire 4. C'est ce qui explique ce résultat surprenant. Pour s'en persuader, je peux faire ça plus simplement. Par exemple, a égal 3.4. Print a, ça donne 3. Vous voyez, la valeur a été arrondie à l'entier inférieur. Maintenant, je remonte et je remplace par a égal 3.5. Entrée, entrée, et voilà, j'obtiens 4. Cette fois-ci, le basique a arrondi à l'entier supérieur. Vous voyez, c'est très bizarre. Ne vous faites pas avoir avec ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que par défaut, l'omicron utilise des variables de type entier sur 32 bits. Si on veut utiliser des variables de type flottant, il faut ajouter le suffixe point d'exclamation. Par exemple, a point d'exclamation 7 divisé par 2, entrée, print a point d'exclamation, entrée, à ah, cette fois-ci, on obtient 3,5 comme prévu. Donc retenez bien ceci. Par défaut, l'Omicron utilise des variables de type entier. Si on veut définir une variable de type flottant pour stocker des nombres à virgule, il faut utiliser le suffixe point d'exclamation. Sachez qu'il existe d'autres suffixes, comme par exemple dièse pour les flottants double précision, mais on en a rarement besoin. Ou alors le suffixe pourcent pour des entiers sur 16 bits. Ça permet parfois d'accélérer les calculs. Retenez simplement que le suffixe des variables indique leur type. Et bien sûr, il y a un autre suffixe que vous connaissez déjà. C'est le suffixe dollar, qui permet de définir des variables de type chaîne de caractère. Pour info, il est possible de changer ces règles de suffixe avec des instructions defint, etc. Mais je vous déconseille de les utiliser sous peine de ne plus rien y comprendre. Ça va Je vous ai pas trop perdu Alors, si vous le voulez bien, on va jeter un coup d'œil au manuel pour découvrir les instructions de l'Omicron. C'est là que ça devient intéressant, car il y a les instructions classiques du Basic, mais aussi d'autres instructions spécifiques à l'Atari ST. Notez que dans ce manuel, on trouve beaucoup d'exemples de ce type. Après tout ce que je viens de vous dire, vous remarquerez que ce n'est pas très lisible. Il y a des numéros de ligne, le code n'est pas indenté, on peut voir qu'il y a parfois plusieurs instructions sur la même ligne, séparées par deux points. C'est typiquement le style de programmation à l'ancienne où on a vite fait de ne plus rien comprendre. Pour info, on voit ici l'instruction DIM qui permet de définir un tableau. Le tableau s'appelle A. Maintenant, vous connaissez ce suffixe, ça signifie qu'il va contenir des nombres flottants simple précision, c'est-à-dire des nombres à virgule. Entre parenthèses, on définit la taille du tableau. Ici, on va pouvoir stocker combien d'éléments Et non, on va pouvoir stocker ça un élément parce qu'en basique, les indices de tableau commencent à 0. Et ce qui est spécifié entre parenthèses, c'est la valeur maximale de l'indice. Donc puisque les indices vont de 0 à 100, ça signifie qu'on peut stocker sans une valeur. Et oui, ce n'est pas du tout intuitif. Bon, en pratique, on utilise rarement l'indice 0. On commence souvent à 1 jusqu'à la valeur spécifiée avec DIM. Et d'ailleurs, c'est ce qui est fait ici. Attention, sur la ligne 20, on voit l'identifiant Stat. Il ne s'agit pas d'un tableau 1. En fait, il s'agit d'une procédure. Vous voyez, elle est définie juste en dessous à la ligne 1000. Mais tout est collé, on n'y comprend rien. L'Omicron permet d'aérer votre code avec des lignes vides, alors profitez-en. Concernant les opérateurs utilisables dans les expressions, vous voyez, c'est du classique. Addition, soustraction, division, multiplication. Il y a aussi l'opérateur puissance avec l'accent circonflexe. Et plus rare, vous voyez, il y a un opérateur de division entière, l'anti-slash. D'abord, cet opérateur convertit ses opérandes vers l'anti-inférieur. Comme le ferait un cast en int en langage C. Puis il effectue une division entière. C'est beaucoup plus rapide qu'une division flottante. Pensez-y, le plus souvent, c'est cet opérateur anti-slash qui est le plus utile quand on travaille avec des nombres entiers. Et pour info, il y a aussi l'opérateur mode qui renvoie le reste de la division entière. Bien sûr, on peut grouper les expressions avec des parenthèses, comme dans tous les langages. Concernant les relations d'ordre, c'est du classique. Attention, en basique, le symbole égal sert à deux choses, selon le contexte tester une égalité ou effectuer une affectation. Même si c'est le même symbole égal qui est utilisé, ce sont deux opérations qui n'ont rien à voir. Et j'en profite pour vous montrer une curiosité. Print 2 égale 2. Vous voyez, ça fait moins 1. Étonnant, n'est-ce pas C'est parce que l'expression 2 égale 2 représente une égalité. En l'occurrence, cette égalité est vraie. En basique, la valeur 0 signifie faux. Mais la valeur vraie est représentée par moins 1. Et oui, généralement, on représente faux et vrai par 0 et 1, comme en langage C par exemple. Mais en basique, faux et vrai sont représentés par 0 et moins 1. C'est une curiosité du basique. Quoi qu'il en soit, lors d'un test, toute valeur différente de 0 est considérée comme vraie, comme C. Et au passage, notez que l'opérateur différent de s'écrit inférieur-supérieur. Il existe aussi les opérateurs logiques, not, and, or, etc. Je vous parlerai de tout ça en détail une autre fois. On peut aussi faire des décalages de bits avec les opérateurs SHR et SHL. Comme dans tous les basiques, il y a la fonction rnd pour générer des nombres aléatoires. Il y a aussi les fonctions trigonométriques, par exemple sinus, cosinus, etc. Notez que par défaut, ces fonctions utilisent des angles exprimés en radians. Mais si vous préférez, vous pouvez passer un degré avec l'instruction DUG. C'est souvent plus naturel. Au fait, sachez que le 68000 ne travaille qu'avec des nombres entiers. Il ne connaît pas les nombres à virgule, et encore moins les fonctions trigonométriques. Bien sûr, le 68000 peut arriver à faire tout ça. Mais pour lui, ce n'est pas naturel. Il doit utiliser beaucoup d'instructions pour y arriver. Par exemple, c'est très compliqué de faire de la trigonométrie en assembleur. Alors qu'en basique, vous voyez, c'est très simple. C'est l'une des grandes forces de ce langage. L'Omicron sait même manipuler des matrices. En gros, les matrices, ce sont des tableaux de nombres flottants, sur lesquels on peut appliquer des opérations mathématiques. L'Omicron sait inverser des matrices, les multiplier, calculer leurs déterminants. C'est assez surprenant. L'Omicron, c'est vraiment le roi du calcul. Ah, les conversions de base. C'est tout un programme. Retenez simplement qu'on peut utiliser des constantes en hexadécimal en utilisant le préfixe comme avec DevPack. Par exemple, print $10, ça fait 16. Et oui, car un 0 en hexadécimal, ça fait 16 en décimal. Et par défaut, print affiche les entiers en décimal. Pour les afficher en hexadécimal, il faut utiliser la fonction ex$. Par exemple, print 16, 10. On peut aussi faire la même chose en binaire avec le préfixe et la fonction bindollar. Concernant les chaînes de caractères, il faut juste retenir que c'est l'opérateur plus qui permet la concaténation, ce qui signifie mettre de chaîne bout à bout. On trouve aussi les fonctions classiques left$, right$ et mid$ pour extraire des portions de chaînes. Il y a aussi les fonctions chr$ et ask$ pour manipuler les codes ASCII. Mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et plein d'autres fonctions sur les chaînes que vous pourrez découvrir par vous-même en parcourant ce manuel. Mais là où ça devient intéressant, c'est quand on utilise les variables système et les instructions spécifiques à l'Atari ST. Par exemple, la variable mouseBut indique l'état des boutons de la souris sur 2 bits. Notez que sur l'Atari ST, le bouton droit de la souris est physiquement relié au bouton du joystick 1. Donc pour tester le bouton du joystick, il faut aussi tester cette variable mouseBut. De même, les variables mouseX et mouseY contiennent respectivement la position horizontale et verticale de la souris. Dans le même ordre d'idée, le tableau spécial joystick nous informe de l'état des boutons du joystick. Joystick 1 permet de tester le joystick principal. Quant à joystick 0, il s'agit du deuxième joystick, celui qu'on branche à la place de la souris. Notez qu'ici la doc est fausse. On nous dit que le bit set retourné par joystick indique l'état du bouton du joystick. En pratique, ça ne marche pas. Comme je vous le disais il y a un instant, pour tester le bouton du joystick, il faut tester la variable mouseBut. La variable timer correspond au timer système 200 Hz. Ça signifie qu'elle est incrémentée automatiquement toutes les 5 millisecondes. Elle permet donc de réaliser des délais d'attente très précis. A noter qu'il existe également l'instruction wait. C'est la solution la plus simple pour attendre une durée déterminée. Le paramètre est le nombre de secondes, éventuellement en virgule. Les variables date$ et time$ permettent de récupérer la date et l'heure, à condition toutefois que vous ayez réglé précédemment ces valeurs dans le panneau de contrôle, ou que vous possédiez une horloge temps réel avec un driver. La variable inky$ est très utile. Elle permet de lire l'état du clavier sans attendre. Si aucune touche n'a été tapée au clavier, cette variable contient une chaîne vide. Sinon, elle contient 4 octets qui indiquent la touche qui a été pressée. Si vous avez regardé mon dernier tuto Assembleur, ça devrait vous rappeler quelque chose. N'oublions pas que la ST fonctionne avec des disquettes. Alors l'Omicron Basique a toutes les instructions nécessaires pour manipuler les fichiers. Par exemple, Files pour afficher les fichiers du répertoire courant, Name pour renommer un fichier, Kill pour supprimer un fichier. Mais aussi, il y a des instructions pour manipuler les répertoires. Mkdir pour créer un répertoire, Rmdir pour supprimer un répertoire vide, etc. Bien sûr, on peut aussi accéder au contenu des fichiers. L Omicron permet d'ouvrir 16 fichiers en même temps. Pour travailler sur un fichier, on sélectionne un canal, par exemple 1, et on utilise l'instruction open en passant en paramètre le numéro du canal, le nom du fichier et le mode d'accès. Puis on utilise les instructions de lecture ou d'écriture sur ce canal. Par exemple, on voit ici un programme qui demande à l'utilisateur d'entrer des noms et qui écrit ses noms dans le fichier désigné par le canal 1 avec l'instruction print-1. Il y a de nombreuses autres instructions pour manipuler les fichiers, je ne vais pas en parler aujourd'hui. L'Omicron basique supporte la gestion des erreurs avec l'instruction onErrorGoToLabel. En fait, c'est une gestion très rudimentaire des exceptions, telle qu'on la connaît aujourd'hui avec les blocs try-catch. Dès qu'une erreur survient, le programme peut tenter de se rattraper. Dans le même ordre d'idées, l'Omicron permet de faire un peu de programmation événementielle. Par exemple, avec onKeyGoSub, on peut définir une routine de traitement des touches du clavier qui sera appelée en interruption pendant que le programme principal fait autre chose. Ou même on timer GoSub. Cette instruction permet d'appeler une routine à intervalles réguliers. On spécifie la durée de l'intervalle en secondes, même avec un nombre à virgule. Le programme principal continue ce qu'il a à faire, et pendant ce temps, notre routine de timer est appelée régulièrement. C'est pratique. Mais l'une des grandes forces de l'omicron basique, c'est qu'il dispose d'un grand nombre de fonctions graphiques. En interne, ces fonctions font appel à la couche VDI du TOS, qui permet de dessiner sur l'écran. D'abord, on trouve l'instruction draw, elle permet d'afficher un pixel ou des segments de droite. Avec box, on dessine le contour d'un rectangle, avec pbox, on dessine un rectangle rempli. On peut aussi dessiner des cercles avec circle, ou des ellipses avec ellipse. Ou même du texte n'importe où sur l'écran, au pixel près. Et bien sûr, on peut changer la couleur des lignes, et même changer leur style pour tracer des lignes en pointillés. On peut changer le style et la couleur de remplissage, la couleur du texte, etc. Bref, avec l'Omicron, on peut dessiner tout ce qu'on veut sur l'écran. Il y a aussi une fonction très utile, Clip. Elle permet de définir le rectangle de clipping, c'est-à-dire une zone de l'écran en dehors de laquelle les fonctions de dessin ne déborderont jamais. Dans mon dernier tuto, vous avez vu que si on déborde de la zone de l'écran, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Mais si on utilise un rectangle de clipping, plus de problème. Mais l'une des fonctions les plus puissantes, c'est BitBLT, ce qui signifie Bit Block Transfer. Autrement dit, transfert d'un bloc de bits. Cette fonction permet de recopier un rectangle d'un buffer vers un autre. Donc elle permet par exemple de recopier une image de la mémoire vers l'écran et de la positionner au pixel près. Elle permet aussi de réaliser des opérations logiques. Bref, cette fonction est incontournable pour programmer des jeux, par exemple. Au fait, il est possible d'afficher le pointeur de la souris avec MouseOn et de le cacher avec MouseOff. Mais attention, si vous avez affiché le pointeur de la souris, vous devez penser à le cacher avant de dessiner à l'écran. Sinon, la souris va laisser des traces. Et bien sûr, vous pouvez réafficher la souris ensuite. C'est nécessaire car, contrairement à d'autres machines, l'Atari ST ne sait pas gérer de sprites en hardware. Mais il est toujours possible de simuler des sprites par logiciel. Et l'Omicron sait faire ça très bien. Il permet de gérer 8 sprites à la fois, jusqu'à 32 par 32 pixels. Vous savez les sprites, ce sont ces petits objets graphiques qui se déplacent par-dessus le fond de l'écran. Comme par exemple les personnages dans un jeu vidéo. Eh bien le pointeur de la souris, c'est aussi un sprite. Le son. Et oui, il s'agit du YM2149, le fameux sound chip de l'Atari ST. Comme le manuel le rappelle, ce sound chip possède trois voix indépendantes pour jouer des sons de type tension carrée et un générateur de bruit blanc que l'on peut activer sur ces voix. L'Omicron dispose de quelques instructions pour piloter ce sound chip. C'est assez basique. L'instruction Tune permet de jouer une fréquence sur une voix. Volume permet de régler le volume de la voix ou l'enveloppe. Et Noise permet d'activer le générateur de bruit. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui. Retenez juste que cet API est de très bas niveau. Si on veut jouer une mélodie, il faudra calculer les fréquences et appeler ces instructions dans des boucles avec des temps d'attente. C'est beaucoup moins convivial que l'instruction play qu'on trouvait sur les Thomson par exemple et qui permettait de jouer directement des notes. Et maintenant, les buffers de mémoire. Si on a besoin de charger des données depuis le disque, par exemple des images, il faut allouer des buffers, c'est-à-dire des zones contiguës de mémoire. Pour cela, il existe la fonction memory. En fait, en interne, memory fait simplement appel à la fonction gemdos malloc. Mais ce n'est pas aussi simple, car au démarrage, l'omicron réserve presque toute la mémoire disponible pour ses propres variables et laisse seulement 64 kilooctets disponibles pour le gemdos. Donc si j'essaye d'allouer un buffer de 100 kg, A égale memory 100 1000 out of memory. C'est dommage car ici j'ai un STE avec 1 méga de mémoire. Alors la solution, c'est d'utiliser l'instruction clear au début du programme. Par exemple, clear 200 1000. Ça signifie restituer au gemdos 200 kilooctets pour les appels à memory et conserver le reste pour les variables de l'omicron. Maintenant, je remonte sur la ligne memory j'exécute ok, ça marche. Donc, si on obtient des autofémories, ne pas oublier d'appeler clear au début du programme. Une fois qu'on a un buffer de mémoire, eh bien, on peut utiliser l'instruction bload pour charger un fichier dans ce buffer. Par exemple, pour charger une image. Mais attention, il faut prévoir un buffer assez grand, sinon ça déborde. On peut aussi sauvegarder une zone de mémoire avec bsave. On peut même utiliser bsave pour sauvegarder l'arôme de la machine vers un fichier. Si je me souviens bien, c'est ce que j'avais fait il y a très longtemps pour pouvoir utiliser l'émulateur Stonks sur des stations Unix. Et une fois qu'on a des données dans un buffer, eh bien, on peut les recopier vers d'autres zones de mémoire avec MemoryMove. C'est exactement ce qu'on a fait dans les tutos assembleurs pour afficher une image sur l'écran. Notez que MemoryMove est optimisé pour des adresses paires. Sinon, pour les adresses impaires, il faut utiliser MemoryMoveB. Notez que l'Omicron supporte une instruction très inhabituelle. Il s'agit de MemoryBlock. Cette instruction alloue un bloc de mémoire dans la zone des variables de l'Omicron. Et ce bloc est sauvegardé dans le source basique. Oui, dans le fichier .bass. Ainsi, ça évite d'avoir à charger ou sauvegarder les données dans un fichier séparé. C'est parfois pratique. Attention, MemoryBlock prend en paramètre un numéro de bloc. En pratique, il faut choisir un numéro à partir de 10. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner cette instruction avec des blocs de 0 à 9, je pense que c'est un bug de l'Omicron. Nous venons de voir les méthodes modernes pour charger des données et manipuler des buffers. Mais l'Omicron supporte aussi la bonne vieille méthode du basique, c'est l'instruction data l'idée c'est de définir un bloc de données dans le programme on utilise le mot clé data suivi de données par exemple des nombres ou des chaînes puis dans le programme on lit ces données séquentiellement dans des variables avec le mot clé read ensuite on utilise ces variables comme d'habitude on peut même définir plusieurs blocs de data il suffit d'ajouter un label avant chaque bloc de données et au moment de l'utiliser on appelle l'instruction restore label ce n'est pas forcément très pratique, mais ça suffit pour manipuler de petites quantités de données. Et maintenant, les accès au système, c'est-à-dire les fonctions du TOS. En fait, il s'agit de l'appel aux trap que nous avons déjà utilisé en Assembleur. Les instructions s'appellent BIOS, XBIOS, GEMDOS, VDI et AES. Vous avez vu, l'OMICRON propose de très nombreuses instructions. Mais si ça ne suffit pas, on peut en plus accéder à toutes les fonctions du TOS. Ça ouvre des possibilités énormes. Que j'y suis, l'Omicron possède deux instructions pour faciliter la gestion de l'écran. La première, c'est Screen. Cette instruction permet de gérer jusqu'à trois frames buffers et de basculer de l'un à l'autre. Ça permet par exemple de faire du double buffering. Et la seconde, c'est WVBL, comme Wait VBL. C'est l'équivalent de la fonction XBIOS VSync. Elle permet de se synchroniser avec l'écran en attendant la fin du balayage. C'est indispensable pour faire des animations sans clignotement. Bien sûr, on en parlera dans les tutos Assembleurs. Notez que là, on arrive aux limites du basique, parce qu'en appelant directement le système d'exploitation, on commence sérieusement à mettre les mains dans le cambouis. On peut parfois avoir besoin de récupérer l'adresse d'une variable du basique. Pour cela, il existe la fonction varPTR qui renvoie un pointeur sur la variable passée en argument. Parfois, on a besoin de découper en deux des adresses ou des longs mots. Pour cela, on peut récupérer le mot de poids fort avec la fonction high et le mot de poids faible avec low. Ou mieux, on peut passer directement un long mot en argument en ajoutant devant le préfixe L. Je vous ai dit qu'on pouvait accéder aux couches VDI et AES, c'est-à-dire la programmation de l'interface graphique avec le GEM. Mais l'utilisation directe des instructions VDI et AES est assez compliquée. Heureusement, l'Omicron a réponse à tout. D'abord, il existe deux fonctions que l'on peut appeler directement. La première, c'est FormAlert, pour afficher une boîte de messages. Démonstration. D'abord, j'affiche le pointeur de la souris avec Mouse On. Ensuite, je tape Form alerte Parenthèse, 1, ça sera le bouton par défaut. Guillemets crochet 1, c'est pour l'icône de warning. À nouveau, crochet euh, bonjour, ce sera la première ligne de texte. Et enfin, crochet à nouveau, OK, ce sera le bouton. Je ferme les guillemets, les parenthèses, Entrée. Et voilà Bonjour Bien sûr, on peut écrire plusieurs lignes de texte et ajouter d'autres boutons. OK. La deuxième fonction du gemme que l'on peut utiliser facilement, c'est le sélecteur de fichiers, avec l'instruction file_select. Select. Attention, il y a un piège. Les trois paramètres doivent obligatoirement être des variables. Donc j'initialise. Chemin dollar égale guillemets à deux points anti slash étoile point étoile ensuite non dollar égale chaîne vide dans le cas de cette variable non dollar ce n'est pas strictement nécessaire de l'initialiser puisque le basique déclare automatiquement les variables et les initialise à vide puis je tape file select parenthèse chemin dollar NON$, et puis une variable pour le retour que j'appelle RET. Entrée. Et voilà, je peux sélectionner un fichier. Par exemple, emulator.cc. Et je clique sur OK pour valider. Oula, l'écran ne s'est pas bien rafraîchi. Je fais un CLS pour y voir plus clair. Et je fais DUMP pour voir mes variables. Et je vois que NON$ contient bien le nom du fichier que j'ai sélectionné. Et la variable ret contient 1 si j'ai cliqué sur OK, ou 0 si j'ai cliqué sur annuler. C'est simple comme un bonjour. Concernant les autres fonctions du gem, eh bien c'est plus compliqué, pour plusieurs raisons. D'abord, pour pouvoir appeler les fonctions VDI et AES par leur nom, il faut charger une bibliothèque qui s'appelle gem.lib. Heureusement, elle est fournie sur la disquette. Pour la charger, je tape « library gem, A, anti slash gem anti slash gem entrée ça charge la librairie et ensuite je peux appeler les fonctions AES et VDI par leur nom par exemple pour commencer un programme gem je tape apple underscore init oula c'est pas terrible vous voyez, il faut faire un peu plus que ça pour obtenir un programme GEM utilisable. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune documentation sur les fonctions GEM dans ce manuel. Donc la première des choses à faire, c'est de trouver un bon livre sur le GEM. Par exemple, le livre du développeur tome 1 pour la référence des fonctions AES et VDI, et le tome 2 pour les exemples. Et ensuite, il faut trouver la bonne syntaxe. Car bien qu'on trouve beaucoup d'exemples de GEM en GFA, on n'en trouve aucun en Omicron. Mais avec un peu de persévérance, on y arrive. Le j'aime étant un très vaste sujet, je laisse ça de côté pour l'instant. Ah, PIC et POC S'il y a bien deux instructions emblématiques du BASIC, ce sont bien celles-là. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas, POC permet d'écrire un octet à une adresse mémoire, et PIC permet de lire un octet. En bref, c'est l'équivalent de l'instruction MOVE en assembleur. Normalement, on n'a pas besoin de ces instructions pour accéder aux variables du BASIC. Mais avec Pic-Epoc, on peut faire des choses qui ne sont pas prévues par les instructions du basique. Notamment, faire des accès directs au hardware de la machine, comme le DMA un type du STE par exemple, ou accéder aux variables système du TOS qui ont des adresses fixes. Notez aussi un point important. Les programmes Omicron fonctionnent en mode superviseur. Donc on peut accéder directement au hardware et aux variables système avec pic sans plus de complications. D'un côté, c'est pratique. Mais de l'autre, c'est dangereux. À utiliser en connaissance de cause. Autre point important, traditionnellement, les instructions PIC et POC travaillent sur un seul octet. C'est aussi le cas avec l'Omicron. Mais il possède d'autres instructions pour s'adapter aux 68000. WPIC et WPOC travaillent sur des mots de 16 bits. Et LPIC et LPOC travaillent sur des longs mots de 32 bits. Bien sûr, pour faire des choses intéressantes avec PIC et POC, il faut bien connaître le hardware et le système de l'Atari ST. C'est tout un programme, le langage machine. Ça signifie que l'Omicron basique est capable d'appeler des routines en assembleur que l'on aura écrites avec DevPack par exemple. Si on a vraiment besoin de performance, on peut écrire des routines critiques en assembleur et les appeler depuis le programme basique. Et je vous avoue qu'à l'époque, c'était mon activité favorite. Je vous montrerai ça tout à l'heure. L'instruction de base s'appelle call. Elle prend en paramètre l'adresse de la routine suivie de ses paramètres qui seront poussés sur la pile. Ma méthode favorite, c'était d'allouer un buffer avec Memory, puis de charger une routine avec Beload. Mais l'inconvénient, c'est que la routine devait être écrite entièrement en mode PC relatif, c'est-à-dire sans relocation. Aujourd'hui, je pense qu'on pourrait utiliser la fonction Gemdos en mode load pour pouvoir utiliser des relocations. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Mais bon, c'est un sujet avancé, laissons ça de côté pour aujourd'hui. Pour info, il existe une autre syntaxe avec defusr et usr qui permet de passer un paramètre dans le registre des 0 Mais en général, c'est plus pratique d'utiliser call. On peut même exécuter directement du langage machine en hexadécimal avec l'instruction inline. Mais vu les limitations de cette instruction et l'impossibilité de passer des paramètres, je vous avoue que je ne vois pas vraiment l'intérêt. Et pour aller encore plus loin, l'omicron supporte une instruction de très bas niveau qui s'appelle IPL. Cela signifie. Interrupt, priority level. Cette instruction permet de désactiver ou de réactiver les interruptions du 68000. Par défaut, la ST fonctionne en IPL3. Ça permet de faire fonctionner le clavier, la souris, les timers en interruption, en même temps que le programme principal. L'instruction IPL7 désactive toutes les interruptions. C'est l'équivalent de Move.W $2700SR en assembleur. Tant qu'on reste en IPL7. Le clavier, la souris et les timers ne fonctionnent plus. Ça permet d'éviter d'être perturbé par le mouvement de la souris, par exemple. Et surtout de faire fonctionner le processeur à la vitesse maximale. La seule manière de s'en sortir, c'est de retourner au niveau IPL3 quand on a fini. Mais si on oublie, que se passe-t-il Je vais dans l'éditeur standard et je tape IPL7. Entrée. Eh bien, il ne se passe rien. C'est parce que l'omicron repasse automatiquement en IPL3 après avoir exécuté une instruction dans l'éditeur standard ou à la fin du programme. Alors, je vais ruser. Je vais dans le superéditeur. Je commence par IPL7 pour désactiver les interruptions. Et je fais une boucle infinie. Par exemple, avec repeat until 0. J'exécute avec contrôleur. Vous remarquerez que le curseur ne clignote plus. Et si j'appuie sur les touches, il n'y a plus de bip clavier. Je fais CTRL-C pour l'interrompre. Rien. Bref, je suis bloqué. Et en plus, j'ai oublié de sauvegarder mon programme. Donc, j'ai tout perdu. Mais non Car l'Omicron a une fonctionnalité hallucinante. Il résiste au reset. Je vous montre. J'appuie sur le bouton reset à l'arrière de la ou plutôt, je le simule avec Steam. Oula, le clavier s'excite un peu. J'appuie sur une touche. Et on voit qu'au lieu d'avoir rebooté, je me retrouve dans l'éditeur standard. Maintenant, j'appuie sur Help. Ah, la touche CTRL est coincée. J'appuie dessus. Help. Et on voit que je retrouve mon programme. Vous voyez, l'omicron est capable de se déplanter. C'est quand même hallucinant. Et la dernière fonction que je vais vous montrer, c'est l'instruction système, qui permet de quitter l'interpréteur. Je retourne dans l'éditeur standard avec CTRL-C, et je tape système. Ou mieux, je tape ALT-S. Car oui, j'ai oublié de vous en parler, on peut taper les instructions les plus utilisées avec ALT et les lettres. Donc ALT-S, c'est le raccourci pour l'instruction système. Je valide avec entrée, et je tape Y pour confirmer. Ou même O en français, ça marche aussi. Et voilà, je suis sorti de l'Omicron. Ensuite, à la fin du manuel, on trouve quelques très bons annexes que je vous laisserai découvrir. Et surtout, un très bon index qui répertorie toutes les instructions, leur syntaxe et la page de la description détaillée. Et aussi, la liste des instructions classées par catégorie. J'en profite pour remercier toutes les personnes citées ici. Elles ont contribué au développement du Basic Omicron et à l'écriture de ce manuel. Et tout particulièrement, Arthur Sodler qui est le développeur principal du BASIC OMICRON. Vous avez vu, le manuel fourni avec l'omicron est la première source de documentation. Mais il y en a une autre, de très bonne qualité, en français et en anglais. Il s'agit du site web jchr.be, que vous voyez ici. Je vous mets le lien dans la description. On ne va pas tout repasser, je vous laisse le découvrir par vous-même. Toutes les fonctions sont regroupées par thème, c'est un excellent manuel de référence. Il contient même quelques exemples. Et maintenant, à propos d'exemples, je vous propose d'aller jeter un coup d'œil à ceux qui sont fournis avec l'omicron. Je vous le dis tout de suite, je ne suis pas très fan de ces exemples, vous allez voir pourquoi. Mais ils permettent quand même de se familiariser avec le langage. On voit qu'il y a quatre dossiers sur la disquette. Le premier s'appelle Compilateur. Je rentre dedans. Il contient des programmes destinés à montrer que le compilateur payant est plus rapide que l'interpréteur standard. Le premier exemple s'appelle Hilbert, du nom du célèbre mathématicien. Je double-clique pour le charger. Je valide avec Entrée. Le programme se charge. Ce programme est censé tracer la fameuse courbe d'Hilbert. Enfin, ça, je l'ai compris plus tard. Car regardez le seul commentaire présent dans ce programme. Il dit vitesse multipliée par environ 28 entre interpréteur et compilateur. Alors, merci pour l'info, mais on aurait bien aimé savoir ce que ce programme était censé faire, avec quelques mots sur son fonctionnement. Mais rien! C'est l'un des gros reproches que je ferai à ces exemples. Ils sont mal commentés. On voit que le programme fait appel à la procédure Hilbert avec un paramètre le niveau de récursion. Et ça attaque fort, pour le premier exemple, on a déjà droit à une procédure récursive. C'est-à-dire une procédure qui s'appelle elle-même. On voit tout de suite que le code est bien aéré. Les procédures sont séparées par des lignes vides et leur contenu est correctement indenté. Ça, c'est bien. Notez que le basique permet d'écrire plusieurs instructions par ligne séparées par des deux points. Et à cette époque, c'était très courant. Les écrans étaient petits et les éditeurs de texte pas terribles. Alors bien souvent, les programmeurs essayaient de remplir l'écran au maximum. Au fait, j'ai oublié de vous parler de cette syntaxe. Print arrobase ligne-colonne. Ça permet de positionner le curseur à un endroit particulier de l'écran pour afficher du texte. Et ici, vous voyez cette formulation bizarre. CHR$27 suivi de la lettre F. En fait, il s'agit d'une séquence VT52. Il s'agit des codes qu'on peut envoyer à l'écran pour obtenir des fonctions particulières, qui commencent toutes par le code ASCII, escape. Ici, chr$27 signifie le caractère escape. Rappelez-vous, dans le dernier tuto Assembleur, nous l'avons utilisé sous sa forme hexadécimale, $1b. Mais ici, cette valeur est écrite en décimale. Ça revient au même. Donc le code complet, c'est escf ce qui a pour effet de cacher le curseur. Il y a plein d'autres séquences VT52 et elles sont résumées en annexe du manuel. Bon, assez discuté, j'exécute. Contrôleur. On voit que quelque chose se dessine, mais les couleurs sont très bizarres et l'image est dédoublée. Si vous connaissez bien la ST, vous vous doutez de quoi il s'agit. D'un problème de résolution. Alors j'interromps avec Ctrl C, puis Help. Si on regarde attentivement le programme, on y trouve d'autres indices. Vous voyez ici, on voit LPIC $44E. Ces adresses avec seulement 3 chiffres hexadécimaux, ce sont les variables système du TOS. Et en fait, cette adresse, c'est celle de la variable VBASAD. C'est celle qui contient l'adresse logique de l'écran. En fait, c'est ce que retourne la fonction XBIOS logBase que nous avons utilisée en assembleur. Donc on voit que pour récupérer l'adresse de l'écran, le programmeur a préféré utiliser LPIC plutôt qu'un appel au XBIOS. Ça marche aussi. Mais quand on est programmeur débutant sur Atari, c'est impossible de comprendre ce type de code. Ça aurait bien mérité un commentaire. Maintenant, regardez juste à côté, il y a un autre indice. On voit y0 x 80 x 0. Ça me fait fortement penser à la formule que je vous ai donnée en assembleur pour calculer l'adresse d'un groupe de 16 pixels y x 160 plus x. Sauf qu'ici, il y a 80 au lieu de 160. Et en fait, 80, c'est la longueur d'une ligne à octet en haute résolution. Alors que la valeur 160 que je vous avais donnée, c'était pour la basse et la moyenne résolution. Donc il n'y a pas de doute, ce programme est bien fait pour tourner en haute résolution. Heureusement, avec Steam, on peut facilement changer de résolution. Je vous épargne les manip, je change les paramètres de moniteur dans Steam et je recharge l'Omicron. L'affichage est un peu différent. Ça n'a aucune importance, j'exécute. Et là, ça marche! On voit la courbe de Hilbert qui se dessine pixel par pixel. Et pour le plaisir des yeux, je vais la laisser se terminer. Pour info, on considère cette courbe comme une fractale. C'est-à-dire que plus le degré de récursion est élevé, plus la courbe se dessine avec des détails. Et au final, ça remplit toujours un carré. J'appuie sur une touche. Help. Au fait, normalement, en Omicron, pour dessiner des pixels, on utilise l'instruction Draw et on ne se prend pas la tête à manipuler les adresses. Mais ici, on voit que le programme dessine sur l'écran en manipulant directement les bits dans la mémoire vidéo. C'est très inhabituel. Je suppose que ça a été fait comme ça pour que ce soit plus rapide, ou pour mieux montrer la différence de vitesse avec le compilateur. Mais comme programme d'exemple, censé montrer ce qu'on peut faire avec le langage, je trouve que c'est un peu raté, puisqu'en pratique, on n'y comprend rien. Bon. On ne va pas passer en revue tous les exemples, sinon on va y passer des heures. Je vais juste vous en montrer quelques-uns. Et pour une fois que je suis en haute résolution, eh bien je vais y rester. Dans le dossier Divers, on trouve des programmes plus généralistes. Le programme Figure.basse est intéressant. Il montre comment gérer plusieurs buffers d'écran avec l'instruction Screen. Et cette fois-ci, il affiche des lignes avec l'instruction Draw. J'exécute. Vous voyez, ça bouge. La forme rebondit sur les bords de l'écran. Donc cet exemple montre comment faire une animation. Je l'interromps avec CTRL-C, Help. Mais encore une fois, le programme est assez bizarre. Vous voyez, il ne peut pas s'empêcher de faire des pics et des pocs dans les variables système. Et il fait des choses surprenantes, comme ici un appel à memory suivi d'un et logique sur le pointeur. Bien sûr, il y a une raison à ça. Mais sans aucun commentaire et sans explication, c'est impossible à comprendre pour un débutant. Il faudrait une vidéo complète pour expliquer chacune de ces astuces. Ou au moins chaque programme. Mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Le programme Files affiche le contenu de la disquette. D'abord, je l'exécute pour voir ce qu'il fait. CTRL-R. Très bien, on obtient le listing des fichiers. Help. Ici, on voit que le programme est bien indenté. Ça, c'est bien. Et si je regarde de plus près, je vois que le programme utilise OpenF pour explorer le contenu du dossier. Et ensuite, il utilise les instructions Get et Field pour accéder aux données. En réalité, il s'agit d'une structure DTA, qui est utilisée par les appels GEMDOS, FSFIRST et FSNEXT. Mais encore une fois, il n'y a aucun commentaire. Donc, si on ne sait pas déjà comment ça marche, si on n'a jamais fait ça en Assembleur ou en C par exemple, on ne peut pas comprendre. C'est quand même paradoxal, le basique est censé être un langage simple, mais en pratique, certaines fonctions sont inutilisables si on ne connaît pas déjà d'autres langages. Bref, quoi qu'on en dise, un gros intérêt de ces exemples, c'est qu'ils permettent d'apprendre la syntaxe du langage, et de voir comment on peut utiliser les différentes instructions. Par exemple, ici, on apprend que l'Omicron permet la surcharge des procédures, c'est-à-dire la définition de plusieurs procédures avec le même nom, mais qui se différencient par leur nombre d'arguments. Et oui, c'était déjà moderne. Au fait, tant que j'y pense, dans le menu Mode, il y a une option Change Size. C'est surtout pratique en haute résolution. Vous voyez, c'est écrit beaucoup plus petit. Donc on a une meilleure visibilité sur l'ensemble du programme. Ça peut être utile. Mais bon, pour que ça reste lisible sur la vidéo, je reviens en mode normal. Un exemple vraiment sympa, c'est Magic. Basse. Sans plus attendre, je le lance. Avec le bouton gauche de la souris, on dessine avec un carré. Par exemple, comme ça. Ça produit un effet visuel en relief, c'est assez étonnant. Ensuite, on clique avec le bouton droit. Maintenant, le programme reproduit mon dessin tout seul sans que je bouge la souris. C'est magique. J'interromps avec Ctrl-C, puis Help. En fait, le programme stocke tout simplement les mouvements de la souris dans des tableaux. Il les rejoue ensuite. Le carré est dessiné avec P-Box. Et vous voyez, ce programme est ultra court, c'est vraiment impressionnant. Le programme touche attend qu'on appuie sur des touches au clavier, puis il affiche les codes ASCII et les scan codes. J'exécute par exemple A, Z, E, flèche vers le haut. Ça vous rappelle quelque chose C'est précisément ce dont je vous ai parlé dans le dernier tuto assembleur. Ici, c'est pareil, à part que les nombres sont affichés en décimal alors que j'avais utilisé de l'hexadécimal c'est pratique pour découvrir les codes des touches. Il y a aussi un exemple surprenant qui s'appelle SPR demo dans le dossier Sprite. Je suis repassé en basse résolution parce que comme ça, c'est plus joli. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Oh, les bombes. Mais ce sont des bombes animées. On n'a pas l'habitude de voir ça sur Atari. Et comme son nom l'indique, ce programme montre comment utiliser les sprites de l'Omicron. Et vous voyez, si on attend un peu, les bombes se mettent à voltiger dans tous les sens. Les mouvements sont très bien rendus. Ils respectent les lois de la physique. Moi, je trouve ça très joli. J'interromps avec Ctrl-C. J'appuie sur Help. Et vous voyez, c'est vraiment spécial. Les sprites restent par-dessus l'éditeur. En fait, c'est juste un problème de rafraîchissement. Un bon coup de reset, et ça disparaît. Et enfin, un dernier domaine très intéressant, le GEM. Les exemples GEM sont dans le dossier GEM. Je vais vous montrer GEM des moins. L'intérêt de ce programme, c'est qu'on voit enfin comment utiliser la fameuse librairie GEM.lib. D'abord, on la charge, puis on peut utiliser toutes les fonctions de la US et de la VDI. Vous voyez, Applinit, Load, etc. J'exécute. Et patatras. File not found, ligne 3. Heureusement, l'explication est simple. Ici, on charge le fichier gem.lib sans spécifier son emplacement. Or le répertoire courant, c'est a c'est-à-dire la racine de la disquette. Mais le fichier gem.lib se trouve dans le sous-répertoire gem. C'est pour ça qu'il n'est pas trouvé. On peut quand même se dire que ce n'est pas très sérieux d'avoir mis sur la disquette un exemple qui ne marche pas du premier coup. Et en plus, je m'aperçois qu'il y a le même problème juste en dessous avec le fichier de ressources gemdémo.rsc. Pour corriger, le plus simple c'est de changer de répertoire au début du programme. Alors je viens ici, j'ajoute une ligne et je tape chdir anti slash gem. J'exécute. Une barre de titre un peu trop longue. Un magnifique effet de moiré et une barre de menu apparaît. Alors ne tenez pas compte de ce deuxième trait, c'est simplement parce que l'écran ne s'est pas bien effacé en basse résolution. Dans le premier menu, comme d'habitude, on trouve une entrée à propos pour afficher des infos sur le programme. On a une belle boîte d'alerte. OK. Puis on trouve aussi les accessoires. C'est vraiment une très belle fonctionnalité du GEM. Je ferme. Bon, vous voyez, le fond ne se rafraîchit pas bien pour la raison que je vous ai indiquée. Ensuite, je vais dans le menu Window et je fais Open. Une fenêtre s'ouvre avec une croix. Si je refais Open, j'ai une autre fenêtre, cette fois-ci avec la date. Ensuite, je recommence. Une fenêtre avec un motif. Encore une fois. Une fenêtre avec le fameux moiré. Et ensuite... Ah ben c'est fini, le programme est limité à quatre fenêtres. Je ferme. Un point intéressant, c'est que ces quatre fenêtres sont complètement fonctionnelles. On peut les déplacer, voilà, les redimensionner. Et regardez, si je déplace cette fenêtre à droite, on voit deux nouveaux rectangles avec des croix qui apparaissent dans la première fenêtre. En fait, cette première fenêtre montre les rectangles de ridro. C'est-à-dire que quand une partie de la fenêtre redevient visible, l'AES lui envoie un message pour se redessiner. Et l'AES indique la zone à redessiner sous la forme de liste de rectangles. Ici, le programme affiche les diagonales de chaque rectangle de hydro, ce qui nous permet de les visualiser. Maintenant, je fais File, Kit et puis Help. On pourrait jeter un coup d'œil au programme. Mais c'est assez long, il y a plusieurs pages alors retenez juste que la programmation j'aime c'est souvent long et compliqué je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui bon eh bien ça fait déjà trop longtemps que je vous parle il faut savoir s'arrêter mais chose promise chose due je vais vous montrer quelques-uns de mes vieux programmes et ça tombe bien car j'ai récemment converti mes vieilles disquettes en fichiers msa comme ça j'ai des sauvegardes et en plus je peux les utiliser avec les émulateurs l'un des plus vieux programmes dont je me souvienne c'est celui-ci un traceur de courbe. Bon, c'est super classique. Mais quand on est au lycée, ça peut être utile pour les exercices de maths. Pour mémoire, j'ai écrit tous ces programmes entre 1992 et 1995 environ. Je ne sais plus trop dans quel ordre, mais de toute façon, ça n'a pas d'importance. Allons voir le programme. D'abord, il y a un commentaire au début. Ça, c'est bien. Comme ça, 30 ans après, on comprend encore à quoi il sert. Ce programme est très simple. D'abord, il efface l'écran avec CLS. Et ensuite, il cache le curseur avec esc f. Ensuite, il appelle la procédure getres pour obtenir les dimensions de l'écran, et il trace la courbe avec une boucle sur l'instruction draw. Il y a quand même quelque chose d'intéressant dont j'ai oublié de vous parler tout à l'heure à propos des procédures. Il s'agit des paramètres de retour. Regardez ici. Pour récupérer les dimensions de l'écran, j'aurais pu écrire une fonction. Le problème, c'est que les fonctions ne renvoient qu'une seule valeur. Et pour la résolution, j'ai besoin de deux valeurs de retour, la largeur et la hauteur. Alors la solution, c'est de créer une procédure avec des valeurs de retour. Regardez la définition. Le R devant les paramètres, ça signifie paramètres de retour. Au début de la procédure, ils contiennent les valeurs des arguments qui ont été passés. Puis dans la procédure, ces paramètres peuvent être modifiés. Et à la fin de la procédure, les nouvelles valeurs sont recopiées automatiquement dans les arguments de l'appelant. C'est comme s'il y avait plusieurs returns. Voilà, c'est comme ça qu'une procédure peut retourner plusieurs valeurs en omicron. On voit que cette procédure appelle la fonction xBIOS4, qui s'appelle justement gai13, pour obtenir le code du mode vidéo. Et selon ce code, la fonction en déduit les dimensions. Et enfin, tout en bas, on trouve la fonction à tracer sous la forme d'une fonction omicron, en l'occurrence x. Ici, on voit un autre programme de maths, et cette fois-ci, il est animé. D'abord, on dessine un cercle et on place deux points fixes au hasard sur le cercle. Ensuite, un troisième point se déplace sur la circonférence. Ces trois points forment un triangle dont je trace le barycentre. Et si je trace un trait rouge avec ce barycentre, on voit qu'il dessine un autre cercle plus petit. Je ne me souviens plus pourquoi j'avais fait ce programme, probablement pour illustrer un exercice. On voit que quand les figures sont animées, c'est quand même beaucoup plus facile à comprendre. Allons dans le source. Ah ben bravo, il n'y a aucun commentaire. À part ça, il n'y a rien de spécial. L'instruction DUG permet de passer les fonctions trigonométriques en degrés. Les points A et B sont tirés au hasard sur le cercle avec la fonction rnd, qui signifie random, je le rappelle. Ensuite, il y a une boucle de 0 à 360 pour dessiner le cercle. Et ensuite, il y a une autre boucle pour dessiner les segments avec draw. Et c'est tout. Ensuite, très rapidement, je me suis attelé à la programmation gem. Ça peut paraître étonnant puisque je vous ai dit que la programmation GEM était particulièrement compliquée. L'explication, c'est que j'ai été influencé par le livre du développeur tome 2. J'avais déjà eu un aperçu du tome 1. Alors, j'ai commencé par acheter le tome 2. Et dans ce tome 2, on trouve beaucoup d'exemples de programmation, notamment du GEM. Et surtout, les spécificités du hardware du STE. Vous verrez, ça m'a beaucoup influencé. Revenons à ce programme. Il s'agit d'un lister. C'est-à-dire un programme qui permet de faire des listes et de les trier. J'exécute. Déjà, ça présente bien. Il y a un menu à propos. Comme ça, on sait de quand ça date. OK. Et dans le menu fichier, on peut faire charger liste. Notez que les raccourcis clavier fonctionnent aussi. Donc euh, je charge un fichier, par exemple celui-ci. Le fichier se charge et la liste s'affiche. Voilà. Ici, il s'agit de ma liste de freeware, pas forcément du domaine public. La plupart de ces jeux proviennent des disquettes ST Magazine. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Et j'en profite pour remercier du fond du cœur mes amis du lycée qui m'ont fait découvrir l'Atari ST, ses jeux, ses programmes et tout le reste. Avec le menu Éléments, je peux modifier le titre. Donc je mets n'importe quoi, 2 par exemple, OK. Et surtout, je peux ajouter un élément. Donc je tape par exemple euh, Absolu, ajouter. On peut ajouter plusieurs éléments à la suite et à la fin je clique sur Fini. Et là vous voyez, l'élément que j'ai ajouté euh, s'est inséré au bon endroit dans la liste. Comme ça la liste reste triée en permanence. Bien sûr, on peut sauvegarder la liste au format TXT pour pouvoir la consulter depuis le bureau par exemple. Hélas, ça s'arrête là, parce que je n'ai jamais terminé ce programme. On ne peut même pas supprimer un élément, ni même déplacer la fenêtre. Mais c'était un bon exercice pour pratiquer le gène. Notez que dans le menu Options, j'avais quand même rajouté une boîte de dialogue pour pouvoir régler l'heure. Parce que ça m'agaçait que la date de modification des fichiers ne soit pas bonne. Et parce que je n'avais pas envie de charger l'accessoire panneau de contrôle. Et maintenant, allons voir le code. Je fais Fichier Quitter. Et je confirme quitter. On voit ici l'instruction mode F. Ça signifie afficher les dates en français. Je m'en sers dans la boîte de réglage de l'horloge. Puis ensuite, on voit un test de résolution. Et au fait, pour créer des boîtes de dialogue, j'ai dû utiliser un éditeur de ressources. Je ne me souviens plus où je l'avais trouvé, c'était peut-être sur la disquette du GFA. On voit ici les identifiants de boîtes de dialogue et des boutons. Ensuite, le chargement du fichier de ressources. Et ensuite le bazar habituel du gem, par exemple Open pour ouvrir une fenêtre, menu bar pour afficher le menu, et ensuite la boucle principale qui contient EventMulti. Je vous passe les détails parce que c'est relativement long. On voit quand même que le code est bien indenté et bien commenté. Changeons de programme. Celui-ci s'appelle gemeyes. C'est un clin d'œil à xeyes, un programme classique sur Unix dans lequel deux yeux suivent le pointeur de la souris. Je voulais faire la même chose. Mais je me suis arrêté quand il a fallu calculer des équations de cercle et de droite. Une petite flemme. Du coup, ce programme n'est pas fini et l'affichage est bugué. Mais il a quand même un intérêt. La fenêtre est complètement fonctionnelle. Par exemple, je peux la redimensionner. Voilà, comme ça. Je peux la déplacer. Et on voit que les yeux s'adaptent à la taille de la fenêtre. Je ferme. On voit que le programme ne commence pas par un commentaire. Pas bien. Et puis ben c'est comme tout à l'heure, une boucle Event Multi, euh, etc. Pour conclure avec le gem j'avais également fait ceci, un reaper de musique. Vous avez certainement remarqué que dans les intros pirates, c'était souvent les mêmes musiques qui revenaient. Souvent des musiques de Mad Max, parfois des musiques de jeu. Eh bien, ces musiques sont forcément présentes quelque part dans le PRG de ces intros. Ce programme se propose de les extraire. Mais attention, ça ne marche pas à tous les coups, loin de là. Le plus souvent, les intros sont paquées. C'est-à-dire qu'elles sont compressées pour qu'elles prennent moins de place sur la disquette. Donc il faut d'abord les dépacker avec MegaDepack par exemple. Je vous ai préparé un exemple qui marche. Je clique sur Charge et cherche. Je sélectionne une intro, par exemple utile14.prg. Donc le programme charge l'intro en entier en mémoire. Ensuite il recherche une musique et il a trouvé une musique. Je clique sur Écoute. Et on reconnaît la musique de Turrican. Certaines musiques contiennent plusieurs pistes, un peu comme un CD. Mais ce n'est pas le cas ici. Allons voir le programme. Je vous passe les détails, ça ressemble au programme précédent. Cette fois-ci, le programme principal est une boîte de dialogue. Donc il n'y a pas de boucle d'événements, c'est juste un appel à FormDo. Puis selon les boutons cliqués, je réagis aux actions. Vous voyez, pour sauvegarder la musique, je fais simplement appel à bsave. Le point clé, c'est cette procédure, cherche. En fait, le secret, c'est simplement que ces musiques commencent toujours par trois instructions assembleurs, bras. Et en langage machine 68000, ces bras sont codés par les octets $6000, suivis d'un déplacement sur 16 bits. Donc si on trouve trois bras consécutifs, il y a de fortes chances que ce soit une musique. Mais pas toujours, bien sûr. Attention, c'est pas la panacée. Car si on sait où la musique commence, on ne sait pas où elle finit. Alors par sécurité, je sauvegarde tout jusqu'à la fin du fichier. Donc c'est loin d'être optimal. Mais ça suffit pour récupérer les musiques et les jouer dans ses propres programmes. Après ça, je vous avoue que je n'ai plus jamais retouché au GEM. C'était tellement long et compliqué que j'ai préféré me concentrer sur d'autres choses. J'ai surtout utilisé l'Omicron comme boîte à outils pour manipuler des fichiers. Par exemple, ce programme Coupe Fait. Et c'est pas du d'air. Il prend un fichier, le coupe à une taille donnée ou le remplit avec des zéros. C'est pratique parce que des programmes qui manipulent des binaires, ça ne court pas les rues, surtout à l'époque. Par exemple, souvent, après avoir ripé une musique, je l'examinais avec Mutil. Et je m'apercevais qu'au bout de quelques kilos, les données ne ressemblaient plus à de la musique. Alors je coupais la fin avec cet outil. Un peu approximatif, je vous l'accorde. Autre exemple, un programme pour comparer deux fichiers binaires et qui affiche le premier octet différent. Ça permet de savoir si un fichier a été patché, par exemple. Voici un autre programme qui extrait le bout de secteur d'une disquette et le convertit en point C'est utile pour l'examiner facilement avec le debugger "-t2", par exemple. Ou tout simplement pour le conserver. Ou le lancer depuis le bureau. Si ça marche. Des outils de ce genre, j'en ai fait plein. Mais c'était toujours des bouts de programme jamais vraiment finis. Quoi qu'il en soit, l'omicron est très pratique pour créer ce type d'outils. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup appris. Il ne travaillait pas sur Atari, mais il connaissait énormément de choses sur les systèmes d'exploitation et la programmation en général. Lui aussi, je le remercie du fond du cœur. Voici quelques programmes que j'ai pu écrire avec ses conseils. D'abord, le flocon de corps, inventé par le mathématicien du même nom. C'est une courbe fractale. Vous voyez, c'est joli, on dirait un flocon. Le programme est très simple, c'est juste une procédure récursive qui affiche des segments avec draw. Mais là où ça devient intéressant, c'est la programmation 3D. Et l'exemple le plus simple, c'est un starfield. Un effet très répandu dans les démos. Bon, évidemment, celui-ci n'est pas très impressionnant. Mais vous voyez, le principal est là. Les étoiles se dirigent vers l'écran avec un effet de profondeur. La suite logique, c'est un cube en 3D. C'est presque la même chose que le starfield. On fait tourner les coordonnées des points dans un tableau 3D, on les projette en 2D, et puis on les relie par des segments. Revenons au fractal. On peut afficher des nombres sous forme de dégradés de couleurs, par exemple entre bleu et blanc. Ici, vous voyez, cette fractale ressemble comme deux gouttes d'eau à un nuage. Mais je vous avoue que j'ai oublié l'algorithme. Et si on mélange les deux, nuage fractal et 3D Eh bien, on obtient une montagne 3D. C'est un effet qu'on a souvent vu dans les jeux. Si tous ces programmes vous intéressent, on pourra les analyser en détail. Bien sûr, j'ai aussi essayé des effets de type démo, par exemple des rasters. Attention, le code est bourrin. Une boucle infinie, des changements de couleur zéro avec palette et des attentes très courtes avec weight. Évidemment, pour des rasters plus fins et plus stabilisés, c'est une autre paire de manches. Et plus tard, j'ai voulu faire un scroll texte dans un autre langage. Alors pour mettre au point l'algorithme, j'ai utilisé l'omicron bien sûr. Particularité de ce scroll, on peut accélérer avec la touche plus et ralentir avec la touche moins. Mais rapidement, ce qui m'a titillé, ça a été d'écrire des jeux. Alors je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais écrit de jeu. Néanmoins, j'ai écrit quelques petits programmes qui s'en approchaient. Tout d'abord, un magnifique shoot the up On dirige un vaisseau spatial avec le joystick, vous voyez c'est le carré rouge. Bien entendu, on peut tirer, et l'objectif c'est de venir tirer sur la souris. Vous pouvez entendre les superbes bruitages. Dans le même genre, un autre semblant de shoot the up Ici, j'ai utilisé le mot de texte, parce que l'objectif c'était de porter ce jeu sur une autre machine. Puis je me suis intéressé aux jeux de plateforme, Et notamment à Alex Kid qui a été mon premier jeu sur Sega Master System. Ici, j'ai redessiné Alex pixel par pixel. J'aurais aimé faire pareil pour le décor. Le problème c'est que la Master System supporte deux palettes de 16 couleurs. Une pour les sprites et une autre pour les décors. Alors que l'Atari ST ne permet d'afficher que 16 couleurs en tout. Alors je me suis débrouillé. Ici, Alex peut sauter sur les blocs. Je me suis dit que c'était déjà un bon début. Dans cette deuxième version, je fais la même chose, mais avec en plus le scrolling guard du STE. C'est très facile à programmer. Pour info, j'affiche le sprite avec bitbelt. Et en bonus, dans cette version, je peux m'approcher des blocs et les casser en appuyant sur le bouton. Voilà, comme ça. Nouveau programme, cette fois-ci, c'est Goldrack. On a toujours le scrolling guard du STE, le sprite est toujours affiché avec BitBLT, mais cette fois-ci, le sprite est correctement détouré. Bon, si je me déplace vers le haut de l'écran, euh, on voit que ça clignote sévère. Mais on peut tirer Voilà, donc c'est quand même une grosse nouveauté. Pour le fond d'écran, euh, j'ai pris simplement une image au hasard. Parce que quand on est programmeur, eh bien, le gros problème c'est de trouver des graphismes. Alors évidemment, c'est bien buggé, mais quand même, je trouve que ça commence à ressembler à quelque chose. Pour la suite, il faut d'abord que je vous parle de ce logiciel, Edmap 3.2. C'est un logiciel qui permet d'éditer des maps. En pratique, on charge un fichier de blocs, puis on place ces blocs sur l'écran pour dessiner un niveau de jeu, ce qu'on appelle une map. C'est génial! Et en plus, ce logiciel était fourni avec les blocs et les maps de Lethal XS, mon jeu favori. Impossible de me souvenir où j'avais récupéré Headmap 3.2. C'était peut-être une disquette STMag ou Star Micro. Si vous savez d'où il vient, merci de me le dire dans les commentaires. Tout ça pour dire que, grâce à EdMap, je me suis retrouvé en possession des blocs et de la map de l'étal XS. Alors bien sûr, ça m'a donné envie de les utiliser en Omicron. Ici, vous voyez mon programme qui affiche la map de l'étal XS. On s'y croirait. Comme à mon habitude, j'utilise le scrolling-guard du STE. Mais cette fois-ci, pour afficher les blocs, j'ai programmé directement le blitter. Ça mérite bien d'aller voir le source. Vous voyez, on rentre directement dans le vif du sujet, des WPOC dans les registres du blitter. Puis je charge la palette, les blocs et la map. Pour le scrolling, j'utilise une routine de mon cru. Et pour afficher un bloc, vous voyez, j'ai défini une procédure BLT qui contient seulement 4 POC. Et ma foi, c'est à peu près tout. Pour aller plus loin, j'ai fait une autre version dans laquelle j'ai converti la routine de scroll en assembleur avec DevPack. Ça marche aussi. Du coup, il ne reste presque plus rien. Mais la routine de scroll en interruption, surtout de cette manière, c'est une très mauvaise idée. Ne faites pas ça chez vous. J'ai même tenté une version avec un vaisseau, que j'ai dessiné pour l'occasion. Et je l'affiche avec BitBLT. Mais ça clignote à mort. A l'époque, je croyais que ça clignotait parce qu'il manquait du temps machine. Alors qu'en fait, mon programme était juste buggé. Heureusement, en ressortant de ce programme pour la vidéo, j'ai trouvé d'où ça venait et j'ai pu corriger. Ici, même technique, mais avec un scrolling horizontal. Et pour avoir des blocs, j'ai refait le niveau 1 de Super Mario 1, version Super Mario All Star sur Super Nintendo. J'ai tout recopié pixel par pixel avec Degas et j'ai refait la map avec Edmap. Mais il y a le problème habituel j'ai déjà utilisé 16 couleurs pour le décor. Donc, il ne reste plus de couleurs pour l'arrière-plan et les sprites. Et finalement, j'ai commencé mon propre jeu. Hélas, je ne l'ai jamais fini. J'ai arrêté l'omicron et je suis passé à autre chose. Ici, je n'ai pas utilisé l'assembleur. J'ai affiché les blocs en basique avec le blitter. Et pour le sprite, j'ai simplement utilisé BitBLT. J'ai aussi une autre version plus aboutie, avec un scrolling dans assembleur et un sprite entièrement affiché au blitter. Si ça vous intéresse, je vous montrerai ça une autre fois. Bon, je crois qu'il est plus que temps de refermer cette parenthèse sur l'Omicron basique. Vous l'avez compris, c'est un très bon langage, même s'il n'a pas eu le succès qu'il méritait. En ce qui me concerne, il a été très utile. D'abord, il m'a permis de me familiariser avec l'Atari ST. Et ensuite, j'ai pu facilement passer à d'autres langages comme l'assembleur et le C. Donc toute cette expérience acquise sur la ST n'a pas été inutile, loin de là. Au contraire, ça m'a beaucoup facilité la compréhension d'autres machines et d'autres langages. Et avant de partir, une petite anecdote. Quand j'ai passé le bac, il y avait une épreuve facultative d'informatique, alors qu'il n'y avait pas vraiment de cours au programme. Je suis allé à cette épreuve et on nous a demandé d'écrire un programme dans le langage de notre choix. Alors j'ai choisi l'Omicron basique. J'ai commencé par expliquer les particularités du langage, comme les procédures et les fonctions. Puis j'ai fait l'exercice demandé. Depuis, j'ai oublié le sujet. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu une excellente note. Alors si j'ai eu le bac, eh bien c'est un peu grâce à l'Omicron Basique. Sur ce, à très bientôt sur Retro Computing.